Hey, salut à tous et à toutes, c'est Ekar et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo information sur Fortnite. Et oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la boutique Fortnite bouge en ce moment pas mal. Donc quand je dis qu'elle bouge pas mal, c'est parce que regardez, donc il y a la Recon Expert qui est sortie, donc il y a déjà un moment de là. Mais la Recon Expert est donc un skin ultra rare. Après, on a eu pas mal de petites choses. Donc par exemple le skin Flavia avec le petit pack donc Fortnite à 5 € qui est sorti. On a pas mal de petites choses. Donc vous avez pu voir qu'il y a vraiment énormément de skins qui revient en ce moment dans la boutique. Et je pense que l'optique de Fortnite est justement d'un petit peu briser les raretés pour justement généralement, le but principal de ruiner la rareté des skins, c'est pas ruiner la rareté du jeu. Non, c'est surtout pour éviter qu'il y ait des revendeurs de comptes qui se fassent vraiment beaucoup de fric avec des skins qui se seraient retrouvés exclusifs. C'est-à-dire que par exemple, un revendeur de comptes qui a actuellement une Renegade Rider peut vendre son compte 200-300 €, alors que le skin coûte 12 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est éventuellement pour éviter la revente de comptes et du coup les business abusifs que Fortnite essaye un petit peu en ce moment de ressortir un petit peu les skins un peu rares, puisque de toute façon ils ont jamais dit que les skins rares ne ressortiraient jamais. Du coup on a une information qui elle est clairement pas certaine. Donc apparemment du coup la Renegade Rider, donc je parlais de la Renegade Rider version feu, donc je vous mets une image à l'écran. Donc cette Renegade Rider normalement devrait sortir donc cette semaine. Ok? Donc l'information globale normalement elle sort ce soir. Mais puisqu'on a toujours un petit peu de latence au niveau Fortnite, hein, on a bien su que côté Loserfruit, normalement elle devait sortir déjà il y a un paquet de moments, mais c'est retardé, c'est retardé, c'est retardé. Donc bon, je préfère vous dire que c'est des oui-dire, et du coup que ce n'est pas sûr à 100%. Mais l'information globale, c'est que normalement la Renegade Rider Feu devrait sortir ce soir. Et du coup, le Marshmello, et oui, parce que du coup, on a aussi une petite refonte du skin Marshmello qui sortirait un peu dans une version sombre. Donc, je vais vous afficher des concept art du coup du skin Marshmello. Donc, ce n'est pas la forme finale, mais c'est la forme que normalement il devrait arborer ou devrait à peu près voir cette forme-là. Ok, du coup on aurait un retour de Marshmello qui, sûr et certain, devrait sortir cette semaine aussi. Mais du coup, globalement, selon les leakers et selon les informations que j'ai pu récolter par-ci par-là, il y a vraiment pas mal d'engouement et apparemment, du coup, la Renegade Rider sortirait clairement ce soir. Et du coup, le Marshmello sortirait plus aux alentours de jeudi prochain. Donc je vous tiens alerte. Vraiment, regardez les boutiques. Donc regardez vraiment à 2 h du matin, c'est très important. Regardez les boutiques, que ce soit moi ou ce soit n'importe quelle boutique de n'importe quel youtubeur, Osef, tu vois. Mais vraiment, tenez-vous alerte parce que en ce moment, je peux dire que cette semaine-là va être vraiment très très hard en termes de skin Fortnite. Donc vraiment, tenez-vous alerte et regardez les boutiques, ok? Donc après, bah, excusez-moi si la boutique sort pas exactement, mais moi je vous dis juste les informations que j'ai. Ok, donc déjà on a une information de Yante qui dit que oublie pas que Marshmello devrait bientôt être de retour dans la boutique. Et du coup il ne dit pas de date exprès parce que du coup bah globalement on est incertain. On sait que ça va être cette semaine-là, c'est sûr et certain, c'est cette semaine, mais on sait pas quel jour. Ok, ça peut être lundi, jeudi, vendredi. Globalement tout le monde penche sur jeudi. Mais après, bon voilà, c'est que des widias. Donc les potos, en tout cas, j'espère que je vous ai vraiment captivé avec cette petite vidéo. Et en tout cas, j'espère que vous êtes contents du coup du retour de Marshmello et aussi du coup l'arrivée de la Renegade Rider Feu. Dites-moi dans les commentaires si vous allez les acheter, si oui, lesquels. Et aussi, petit retour aussi sur le prix, parce que apparemment la Renegade Rider devrait coûter entre 1200 et 1500 V-Bucks, sachant qu'en fait la Renegade Rider, ça dépendra de si elle est dans un pack ou non.
Puisque si elle est dans un pack avec sa pioche comprise dedans, elle sera avec 1500 V-Bucks. Si elle n'est pas dans un pack, elle sera à 1200. Ok? Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez vraiment user le petit code créateur Bokuni, donc B-O-K-U-N-I, si vous voulez acheter des trucs dans la boutique. Et sur ce, en tout cas, tenez-vous alerte et vous allez voir que cette semaine, ça va vraiment être tendu niveau Fortnite. Allez, sur ce, let's go. Je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien, et puis c'est tout. Et puis j'espère que ça vous a hypé un petit peu. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez des conseils pour faire ce genre de vidéo, parce que c'est vraiment là, genre, la première fois que je fais une vidéo genre comme ça. Et du coup, je bégaye un peu, je sais pas trop quoi dire. Du coup, voilà, c'est un peu dur quoi. Allez, sur ce, ciao, bye bye, portez-vous bien, et puis c'est tout. Ciao.